En famille revient mardi soir sur M6 pour un prime inédit intitulé Le mariage de Marjorie. Découvrez un extrait de cet épisode exceptionnel dans lequel les préparatifs des noces sont perturbés par Brigitte qui accuse Jacques d'avoir une aventure. Le grand jour est enfin arrivé dans En famille, en couple depuis maintenant quelques saisons, Marjorie, Jeanne Savary, et Jean-Pierre, Olivier Magg, vont enfin se dire oui au cours d'un prime exceptionnel qui sera diffusé ce mardi 18 janvier à 21h10 sur M6. Tout simplement intitulé Le mariage de Marjorie, cet épisode événement en deux parties de 52 minutes chacune verra toute la famille Le Kervélec se rendre au Pays Basque dans la propriété familiale des Escourous, pour ce qui est censé être le plus beau jour de la vie des futurs mariés. Mais des imprévus, des quiproquos, et des rivalités de dernière minute pourraient bien faire virer les choses au cauchemar. Avant la diffusion mardi soir sur M6, Allociné vous propose de découvrir en avant-première dans le player ci-dessus un extrait de ce prime forcément très attendu par les fans de En Famille, qui correspond aux premières minutes du double épisode. Alors que les Le Kervélec s'apprêtent à prendre la route, Roxane, Charlie Bruno, nommée wedding planeuse par sa sœur, est exaspérée par la décontraction et le manque d'organisation dont fait preuve le reste de la famille. Il y a un planning à respecter les gars. Mais tout ça n'est rien comparé à la bombe quest sur le point de lâcher Brigitte, Marie-Vincent, elle a décidé de ne pas se rendre au mariage de sa propre fille. Et tout ça à cause de Jacques, Yves Pignot, qui, elle en est sûre, la trompe. Excuse-moi ma chérie mais ce sera, je ne pars pas avec vous. Parenthèse ouvrante point parenthèse fermante. Ton père me trompe, Jacques Le Kervélec, dit le traître, avoue Brigitte à sa fille cadette qui a bien du mal à croire à cette histoire. Papa, où, quand, et surtout avec qui, il passe sa journée vissée sur un fauteuil, mais Brigitte n'en démord pas. Avec une ex-collègue du BTP. Ils se sont revus, et paf, Jacques a beau expliquer qu'il a simplement revu une vieille connaissance, Brigitte est certaine d'être tombée sur un sexto qui incrimine son mari. J'ai passé un moment délicieux, tu n'as pas changé. Délicieux, c'est obscène, tu me dégoûtes. Roxane qui a passé des semaines à préparer le mariage de Marjorie va-t-elle réussir à convaincre sa mère d'assister au plus beau jour de la vie de sa fille malgré les tensions qui existent avec Jacques? Réponse dans cet extrait inédit de En Famille. Mais pour savoir si Jacques Le Kervélec trompe vraiment sa femme, il faudra patienter jusqu'à la diffusion mardi soir de ce prime qui vous réserve encore bien des surprises. À noter, pour les plus impatients, que le mariage de Marjorie est déjà disponible en avance sur Salto, qui a également mis en ligne tous les primes précédents de En Famille.